L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur des à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur des à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore, la résidence des bâtisseurs Monseigneur des pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçue, Valérie Merci. bonjour. Bonjour Michel. D'abord, bon anniversaire. Merci, c'était hier. Eh oui, hier, oui. 31 ans. Oui. Bravo. <laughs> merci. Valérie est aussi euh, designer chez Atelier des Commerçants, mais elle est ici comme présidente de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour parler de la, 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 la Tournée, tournée des, vainqueurs. des vainqueurs parce que L'année passée, il n'y en a pas eu. Non. Bon. Parce que ben, des activités mm. qui étaient si populaires, euh, bon, on a mis ça sur la en raison de la pandémie. Et là, cette année, on a décidé de, 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 de remettre la tournée sur ses rails. Exactement. Comment? Euh, parce que, sûr. bon, il y a tellement encore toutes sortes de règles sanitaires qu'on doit respecter. Comment vous avez l'intention de faire ça cette année? C'est sûr que la Tournée des vainqueurs n'aura pas la même formule que les autres années. Cette année, c'est la dixième édition, étant donné que l'année passée, on l'a. Suspendu pour un an. Donc, cette année, pour la dixième édition, on a décidé de le faire sur tout le mois d'août. Donc, euh, pas une date fixe comme à toutes les autres années pour éviter des rassemblements, justement. Donc, tout le mois d'août, on encourage les gens à, à bouger, donc à marcher, courir, faire du vélo, puis d'inscrire leurs kilomètres euh, pour justement ramasser des dons euh, pour, la, pour la Fondation, pour le cancer, euh, les tra le traitement du cancer, aller à l'hôpital de Montmagny. OK. Donc, c'est pas là, parce que normalement c'était à bicyclette, mais là c'est pas ça C'est que là tout le monde qui font de l'activité. Mais là, comment tu fais? Parce que vous avez un objectif qu'on va, qu va dévoiler tantôt là. Euh, oui. <laughs> mais comment, comment vous allez faire pour atteindre votre objectif? Donc, on invite les gens à aller sur le site de la tournée des vainqueurs.com, de s'inscrire, -vainqueurs de, euh, de partager sur les réseaux sociaux euh, leur profil. Donc, avec leur objectif, qu'ils auront inscrit euh, Moi, je veux faire 150 km de vélo, euh, partager sur Facebook pour recueillir des dons, parce qu'on a un objectif de 55 000 cette année. OK. C'était l'objectif que vous aviez atteint il y a deux Exactement. ans. Exactement. Bon. Euh, maintenant, on fait comment? Là, là on s'inscrit. Oui. Mais là, comment on fait pour aller chercher, euh, je ne sais pas, moi, 100 dollars, 200 dollars? Comment on fait? Des commanditaires? Ou? Euh, ça peut être des commanditaires. Il y a certaines, euh, certains employés qui se font euh, par année par leur entreprise. Donc, euh, l'inscription le, le, est gratuite cette année. Ce qui n'était pas le cas les autres années. Avant, on avait un, un 50$ d'inscription. Mais cette année, étant donné que ce n'est pas une journée euh, que le on, peut pas avoir de on ne remet pas de chandail non plus euh, officiel comme à chaque année. Euh, parce que c'est un petit peu trop dur, étant donné qu'on le fait sur tout le mois d'août, de fixer une date pour remettre le, le, le chandail. Donc euh, cette année, c'est 100 qu'on demande par participant à recueillir. Euh, en créant le profil sur le, la Tournée des Vainqueurs, euh, le site de la Tournée des Vainqueurs, on peut partager sur les réseaux sociaux. Donc, comme ça, en partageant, ben, c'est sûr que euh, grand-maman, grand-papa, euh, mon oncle, ma tante ben, ils peut, peuvent aller justement aller euh, donner un don directement sur le site de la Tournée des Vainqueurs sur, sous l'onglet du participant. OK. Tu vas m'expliquer ça comme il faut. Là, si, pour bien faire comprendre oui. aux gens, qu'on comp comprenne Si moi, je veux m'inscrire, oui. puis je marche, je ne sais pas, je marche 20 km oui. OK. Alors, je m'inscris sur le site de la Fondation. La Tournée de la va des vainqueurs. OK. Et là, oui, excuse-moi, oui. c'est très important, sur le site de la Tournée des vainqueurs. Et là, moi, je donne 100 en m'inscrivant? Non. Donc… Pas, la, la, le participant n'a pas donné le 100 au départ. Donc, il fait son, son profil et il peut le partager pour que les gens le commanditent. OK. Donc, ce sont les gens qui doivent aller oui. mettre de l'argent sur. Exactement. Euh, OK. À moins que le participant décide de payer lui-même, de donner lui-même le don de 100 Bon. Puis, on paye ça comment? Par carte de crédit. OK. Donc, par ça prend de absolument une carte de crédit? C'est dit. Sinon, euh, ça peut être par chèque, euh, puis l'envoyer le, à la fondation. OK. Et ça, ça commence le 1er août? Oui. Jusqu'au 31 août. Exactement. OK. Et là, comment vous allez faire pour euh, comptabiliser ça? Est-ce que vous pouvez suivre au quotidien euh, les inscriptions? Comment? Hein? Euh, oui, c'est sûr qu'on les suit. Puis même euh, présentement, si vous y allez, euh, on peut voir euh, tous les gens qui sont déjà inscrits. Parce qu'on a déjà Parce, parce qu'il y, y, a... oui, oh. y en a déjà? Oui, il y en a déjà quelques-uns qui sont inscrits. OK. 55 000 d'objectifs. Oui. Est-ce que c'est audacieux? Euh, je crois qu'on est capable d'y arriver. On a déjà... On, on fait, on fait en, voy, en, en moyenne un 50 000, 50 000, 55 000 à chaque édition. Euh, là, c'est sûr que c'est différent, mais on croit qu'avec euh, un mois pour la participation, ça limite moins les, euh, les gens à, à s'inscrire, étant donné que quand on met, on met ça une date fixe, euh, si on a une activité, ben, on ne peut pas s'inscrire, versus avec un mois. Bien, peu importe l'activité qu'on a d'une fin de semaine ou l'autre, on, on peut remettre... Euh, l'activité, no, notre activité, euh, une autre journée. Est-ce qu'on a l'intention de revenir avec la, la formule qu'on avait avant la pandémie ou si cette formule-là fonctionne bien, qu'on garderait cette formule-là? On n'en a pas encore discuté euh, au comité, mais c'est sûr que suite aux résultats qu'on va avoir, on va peut-être peut envisager le tout, là, mais on verra avec, euh, à la, au 31 août les, les résultats que ça donnera. Il y a eu une activité après les fêtes euh, qui a très bien fonctionné avec le La Fontaine. Ça a été un succès. Vous avez euh, là, vous remettez tranquillement des formules pour essayer d'aller chercher de l'argent. Euh, ça a été un beau succès? Oui, non? oui, oui. Alors, on a eu une belle. Pour le, le, le Dîner Noël, on a eu une, une très belle participation des gens. Bon. Avant ça, on avait un souper. Oui. Il n'y a pas de souper. Là, il y avait la, 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 la tournée des vainqueurs qu'on est en train de re remettre en place. Comment ça va, la fondation? Là, je parle à la présidente. Euh, est-ce que, parce que, comme il y a moins d'activités, est-ce que les entrées de fonds sont aussi présentes? Ou euh, Il y avait les mémorials aussi pour les avis de décès. Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien? Oui, c'est sûr qu'il mm -hmm. euh, y a moins d'activités. Donc, un, les dons sont pas associés aux activités comme les étaient avant, mais les donateurs sont encore très présents. Donc on, on remercie les gens de d'être euh, d'être présents et de donner à, généreusement à la fondation. Bon, mais financièrement comment ça va Ça va bien. Oui. Ça va bien. C'est sûr que comme tout le monde on envie des, on a des... certains creux, mais euh, on peut pas dire que ça va que ça va pas bien. Bon. Et là, est-ce qu'il y a des projets? Parce que, bon, on sait que le plus gros investissement, ça a été l'IRM, mais est-ce qu'il y a des investissements qui s'en viennent dans notre hôpital prochainement par la Fondation? Oui, bien, le projet de cette année, au okay. fond, on ramasse des fonds pour le bloc endoscopique. OK. Et ça, ça va se faire? Euh, sous peu, la construction est exposée. Je ne me souviens plus des dates exactes, mais c'est la construction est prévue dans les, les prochains mois, commencer les, le, le début dans les prochains mois. OK. Est-ce que vous avez des demandes? Vous devez avoir sûrement des demandes par rapport aux investissements? Euh, C'est le 6 qui, euh, qui nous fournit une liste de priorités. OK. Donc, tout va bien. Ça va bien. Ma La petite comment elle va? Elle La va maman? Bien. Parce elle, elle, elle va bien aussi. Un petit bébé de... d'un de an. an. D'un an, oui. OK. Euh, c est, c est, ça occupe? Ça occupe, ça occupe. Oui, puis il se lève de bonheur en plus? Il se lève de bonheur, mais ça fait les journées euh, qui commencent plus tôt. <rire> <rire> Valérie, on rappelle... C'est le, le 1er août jusqu'au 31 Exactement. août. Exactement. Les gens ont déjà commencé à s'inscrire. Exactement. Mais ils peuvent dès maintenant le faire et s'inscrire. C'est le tournée site des Internet. des vainqueurs.com. Vainqueurs Exactement. Alors, on va se souhaiter que ça fonctionne comme vous le désirez. Exactement. Et euh, tiens-moi au courant des développements. Peut-être. Juste peut-être faire un rappel aux gens pour que, les, que le monde embarque. Je pense que. Les gens sont très sensibles à leur fondation. Oui. Alors, euh, on va vous souhaiter tout le succès que vous méritez. Puis, j'espère que la tournée des vainqueurs reprendra sa formule. Euh, on espère est aussi. populaire. On espère aussi. Valérie, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Valérie merci Valérie Mercier, qui est euh, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montmagny, également designer chez Atelier des Commerciers. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.